bassin à Miranda avec François au bout de la ficelle. C'est parti pour Alex. Voilà le premier écart pour Alexandre. Alors certains le découvrent sans doute, Arnaud Capdeville, jeune entraîneur qui sort de l'école taurine, donc qui rejoint cette année la quadrille à Olivier Lariol. Il place Miranda de nouveau pour Alexandre. Le brindis pour son galadère, pour Guillaume Dussault, le deuxième écart d'Alexandre. Voilà, deuxième écart pour Alexandre Deir, face à Miranda. Ah, toujours Henrik Duclavet pour se charger du placement de la coursière. C'est la jeune révélation de l'an passé dans cette formation, Alexandre Brett, que je vous demande d'accueillir maintenant et qui va effectuer sa première figure de l'après-midi, son premier écart. Alexandre qui s'est formé au sein de la formation, qui régulièrement vient recevoir également les conseils de Christophe Dussault. Voilà le premier pour Alex. Voilà, changement de côté et d'axe de départ pour Miranda. Là, c'est de nouveau par Arnaud. Le brindis de Christian Vintan pour Colette. Colette, toujours le mot pour accueillir les garçons lorsqu'ils passent à la maison. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est elle qui nous reçoit. Vous n'oubliez pas non plus le repas ce soir préparé par la Peña. Allez, c'est parti pour Christian. Voilà, le premier écart pour Christian Vintan. Alors il se définit lui-même comme le baroudeur de l'équipe, Rodolphe Beauvais. Rodolphe, on le sait, capable d'affronter toutes les coursières. Animateur incontestable au sein de cette formation. Voilà le premier pour Rodolphe. Et alors vous allez le découvrir sans doute pour ceux qui ne l'ont peut-être pas déjà aperçu dans les courses de l'école taurine. C'est Mathieu Dupuy, le jeune écarteur de Mont-de-Marsan. Voilà, Mathieu qui reçoit les conseils d'Olivier. Allez, c'est parti pour Mathieu. Voilà, le premier écart pour Mathieu Dupuy qui découvre également les coursières. Voilà, 6 écarts effectués, le 7e sera effectué par le chef de quadrilla, Olivier Lariol. Alors je le disais dans la présentation, Olivier, garçon d'expérience, le styliste de la formation. On le sait également, excellent feinteur sur les vaches sans corde. Voilà le premier écart pour Olivier Lariol. Miranda préparé par Arnaud Capdeville avec le soutien de la bande à Jojo. Allez, c'est Christian Vintan qui va venir effectuer le 8e écart sur Miranda. Vraisemblablement l'un des derniers galops de la coursière. Voilà le passage pour Christian Vintan sur Miranda. Voilà Miranda qui va regagner sa loge.